Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon haul de mes achats que j'ai fait à Strasbourg au marché de Noël. Je suis allé à Strasbourg et ensuite je me suis arrêté à Colmar et je suis revenu sur Suisse parce que j'habite à Genève plus précisément. Donc j'ai pris la voiture direction Berne, Bâle, Saint-Louis, Strasbourg. Et là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté lors de mon petit week-end. Alors, on va commencer. Je me suis arrêté sur l'autoroute juste après Berne, et là-bas il se trouve qu'il y a un diner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un diner, c'est un petit restaurant américain, très typique. Moi je suis fan à fond de ça. Donc on s'est arrêté là-bas pour boire un petit café, et il y a une petite boutique, et j'en ai profité car j'ai trouvé deux, trois petites choses assez sympas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Pour ceux qui connaissent, ce sont des bonbons Jelly Belly. Alors ça, c'est les bonbons avec la petite roulette. Et c'est un petit jeu sympa, on peut faire un petit challenge. C'est des bonbons avec des goûts un peu particuliers. Il y a des goûts chaussettes puantes, tutti frutti, œufs pourris, vomi, crotte de nez, poire juteuse et tout ça. Et je me suis dit que ça serait super sympa de faire une petite vidéo avec ça. Donc vous aurez prochainement sur ma chaîne un petit challenge avec un de mes amis, vous verrez, vous ne serez pas déçus. On continue. Là-bas, j'ai trouvé de la moutarde américaine. C'est une moutarde un peu sucrée, qui est assez bonne pour ceux qui aiment ce qui est un peu sucré. C'est très ça. Ça, c'est bon. Moi, je ne suis pas un grand fan de moutarde, mais je sais que la personne avec qui je vis adore ça. Donc, à tester. Ensuite, on a tracé direction Strasbourg et là on est arrivé au marché de Noël et on a acheté deux trois petites choses. Alors je vais commencer par vous montrer. J'ai acheté une petite cigogne pour mettre sur le sapin avec une petite plume. Super jolie, j'adore. Aussi pour mettre sur le sapin un petit hérisson. Bon là j'ai mis une petite cordelette, je vous oubliais. Et voilà un petit hérisson, tout brillant et tout, très joli aussi. Et j'ai trouvé aussi, bien sûr, qui dit Alsace, vous savez bien quel est l'emblème de l'Alsace, la cigogne. Et j'ai trouvé un petit bébé cigogneau, tout mignon, tout mimi, là qu'on peut aussi accrocher. Voilà, très sympa, avec marqué la I love Alsace. Voilà. Et ensuite, le lendemain, on est parti direction Colmar. Juste avant de rentrer chez nous, on s'est arrêté à Colmar. Et là, j'ai refait encore un petit coup le marché de Noël. Bon, je ne peux pas tout vous montrer parce que j'ai acheté des produits à manger, dont du fromage le Munster. J'ai acheté un feuilleté très très bon, un feuilleté au homard. J'ai acheté un pâté en croûte au faisan et foie gras qui était délicieux aussi, mais ça, je me suis déjà régalé, je l'ai déjà ingurgité. Et j'ai trouvé là-bas une autre petite cigogne. Et c'est là la particularité, vous allez voir. J'ai trouvé ça trop mignon, trop rigolo. Je me suis dit, ça ira super bien comme mon sapin. Puis ensuite, ça me permettra d'égayer ma collection de peluches car je suis un grand fan aussi de peluches. Et j'ai trouvé aussi, c'est de la moutarde, mais pas n'importe laquelle, c'est de la moutarde saveur truffe et poivre blanc. Elle est un petit peu piquante, un peu relevée, elle est délicieuse moi. Comme vous pouvez voir, je suis un peu fan, on est un peu fan de moutarde dans la maison. Et pour terminer ce petit haul et tout, comme j'avais une écharpe qu'elle était toute abîmée, et puis que j'ai trouvé un petit magasin. Pour ceux qui connaissent, c'est les magasins Armentieri. J'ai trouvé une petite écharpe toute sympa. Elles sont vraiment typiques aux couleurs de Noël avec un petit pingouin. Je la trouve trop mignonne. Elle est géniale. Ça tient super bien. Elle tient très chaud. Elle est superbe. Et voilà. Et avec mon petit pingouin. Voilà. Une petite vidéo comme ça pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Dans mon petit week-end en Alsace. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas
vous laissez un petit message, vous mettez un petit pouce bleu, vous likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et nous, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao, ciao, ciao!